Voilà. Bon bah ça m'a l'air de marcher en tout cas. Hop. Bon bah c'est parti. Hop. S'il y a un problème au niveau du son, hein, vous me dites. C'est quoi le problème avec la 480p? Eh franchement pour un jeu de SNES ça va 480p. J'ai pas mis, je sais pas, j'ai pas mis le dernier Doom, une connerie dans le genre. Hop. Bon, du coup, le but là, ça va clairement pas être de refaire le jeu à 100%, mais ça va juste être de le refaire. Bah, c'est marqué. Comment? Merde. C'est marqué sur le côté, c'est de le refaire d'une traite. Et bah, en 100% quoi, sans forcément se prendre la tête. C'est surtout histoire de m'en mettre dans le bain pour Mario Gives Up. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Super Mario World. Alors, hop. Oh là là. En plus, ce qui est génial, c'est que je vais peut-être avoir des problèmes avec ma manette, et ça va être très drôle. Allez, donc le switch. Je vais pas faire de le glitch. Merde. Putain, je voulais pas entrer dedans. Bon bah ça commence bien. Franchement là j'ai le karma qui me tombe sur la gueule en me disant ouais t'as fini tôt mais tu te fais baiser de tous les côtés déjà comme je disais tout à l'heure j'ai attendu 40 minutes pour les courses à cause des putains de gilets jaunes combien de temps pour finir le jeu normalement à peu près 3 heures à peu près ouais à peu près 3 heures ça devrait le faire. En sachant que je vais pas faire la Star Road, sinon le jeu se finirait, en une demi-heure, quoi. Enfin, en une demi-heure, je connais pas les sorties, donc, ouais, une demi-heure, c'est discutable, mais... Ouais. Normalement, ouais, c'est un raccourci vers la fin du jeu. Et t'as des niveaux à double sortie, et il faut prendre les sorties secrètes pour pouvoir... Merde, pourquoi il a pas voulu? Faut prendre les sorties secrètes pour pouvoir aller dans le monde de Bowser. Et en plus, c'est le fun parce que j'ai ma manette qui déconne. Et je l'ai découvert il y a 3-4 jours. Et je sais pas pourquoi des fois mon perso va se mettre à faire des choses que je ne fais pas, donc c'est très drôle. Genre j'avance alors que j'appuie pas, alors que j'appuie sur rien, donc c'est cool. Donc c'est le stream du terre-terre.
Hop. Oh putain, alors là. Là j'ai eu de la chatte quand même. Non, il y avait rien ici. Hop. Bon, ça va, pour l'instant, franchement, je me démerde pas trop mal vu depuis combien de temps j'ai pas joué au jeu. Enfin, j'aurais évité de dire ça, sinon le karma va me retomber sur la gueule d'ici 2 minutes. Voilà. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de manger. Donc c'est très drôle, je vais manger à genre 23h. Ça va être le fun. Vraiment, le coup du gilet jaune, c'est vraiment la... je sais pas, la pire connerie de cette année. Ça va servir à rien, 90% sûr. Ok, je suis stupide. Voilà. Allez. Voilà. C'est... Bon, attends, vas-y, je vais prendre la pièce pour faire joli. Ouh. Attends, ça va, j'avance rapidement quand même, là, dis donc. Pas combien de temps je prenais avant pour arriver jusqu'ici. À quoi sert ce... Ok. Je suis à peu près sûr d'avoir appuyé sur la touche, donc c'est un peu triste. Attends. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, si je regardais l'écran aussi, ce serait plus simple. Bon bah, bonne chance pour le DS du coup, hein. Je fais le P-Switch, mais je suis sûr que ça sert à rien. Ouais. Vous pouvez pas faire de diagonale? Attends, je suis à peu près sûr qu'on peut faire de la diagonale sur les grillages en Super Mario World. Attends, putain, va pas me dire que j'ai un problème de manette ou quoi. Putain, je sais pas, c'est bizarre quand même. À moins que ce soit... Ah non, l'émulateur il devrait... Il devrait supporter quand même les diagonales. Je sais pas. Mais je sais pas la qualité, sinon c'est du 480, ça va. Merde. Ah, j'ai fait le con. Oh putain. Ah, j'avais oublié que ça faisait ça. Fait chier. Ah putain, alors là. Ah, c'est triste un peu. Putain, je clip à travers le sol, c'est quand même magnifique quoi. Je vais pas refaire la même connerie, voilà. Mais quel abruti! Oh, pourquoi j'hésitais?
Putain, je vais crever en boucle sur le passage le plus simple du jeu, c'est magnifique. Ah. Je suis prêt pour Mario Gives Up, dis donc. Chut, t'as rien vu. Waouh. Alors là, ça rattrape la connerie que j'ai fait juste avant. C'est parti pour le boss le plus bidon du monde, hein. Ouh. J'ai cru qu'il allait sauter dans la lave. Bon. Bah je sais pas, t'as jamais joué à Super Mario World? Parce que... Ouais, les boss de Super Mario World, ben... C'est de la merde. Même quelque part le boss final, bon... Ouais. Déçu, bah écoute, y en a 4 qui sont comme ça dans tout le jeu, je crois. Donc voilà. Bon aussi clairement je fais pas de safe state hein, à part si je sais pas, cas de force majeure, mais je sais pas, ce serait triste que je commence à utiliser des safe states sur Super Mario World quand même. Parce que bon, Super Mario World c'est quand même assez simple, c'est un peu la récré. Enfin, moins la récré que les nouveaux Mario, mais quand même. La récré. Oh putain, attends. Je vais... Waouh. Voilà. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans ce niveau. Allez, c'est parti, on est OP maintenant. Mais par contre, plus de Yoshi. Attends, faut que je me réhabitue à la cape par contre. Ah putain, j'ai... j'y arrive pas aussi bien qu'avant. J'arrive pas à remonter, c'est assez triste. Ah, on pouvait les poker ceux-là. Hop. Ouh. C'est parti pour tracer les niveaux. Oh bah tiens, vas-y. on est sur le chemin alors hein. Bah ça, Super Mario, c'est court quand même, c'est... Et puis c'est fun quoi, je veux dire, c'est pas comme les nouveaux Mario qui sont complètement naze. Genre New Super Mario Bros. U, New Super Mario Bros. 2. Ceux-là franchement putain c'est... Je comprends pas quoi. Putain, je sais pas, j'ai un truc avec la manette, c'est bizarre. Donc franchement ouais, vaut mieux clairement jouer à ça que de... Que de jouer au nouveau, puis en plus, bon, si tu t'habitues au gameplay, après tu peux te mettre au hack. Et franchement, les hacks pour Super Mario World, c'est hyper varié, c'est vraiment très bien. Ah, tiens, par exemple, t'as ML2G qui. Bah, je regarde plus maintenant, donc je sais pas s'il fait encore, mais il a fait des let's play d'énormément de hacks de Super Mario World, il était même très bon. Et. Franchement, ouais, ça se trouve très facilement. Il y a même SMW Central pour trouver des hacks et même pour en faire soi-même. Donc ouais, franchement, là... Oh putain, non! Pourquoi j'ai pas de touche qui est configurée? Bon, normalement, j'ai une seconde touche pour faire la boule de feu et même sur le jeu de... Enfin, sur la console de base. Mais là, je sais pas, le... Voilà. Le karma a décidé de me troll aujourd'hui. Ouais, clairement,
T'as New Super Mario Bros 2, je me souviens que je l'avais fini deux fois. Deux fois. Et je l'ai vendu au bout de quoi? De 4 jours, je crois. En l'ayant fini deux fois. C'est quand même. Et une fois à 100% d'ailleurs, je crois. Donc voilà, c'est quand même assez triste. Et puis, le level design et la difficulté, elles sont inexistantes, quoi. C'est assez affligeant. À la base, je pensais pas partir pour faire les sorties secrètes. Ok, bon, hein, pas de sortie secrète. Ah putain. Faut que j'apprenne à fermer ma gueule. Ouais, je m'amuse bien, dis donc. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ouais, bah il sert à rien, attends. Bon. On peut pas passer les portes. On peut pas passer avec des objets les portes. Donc c'est assez triste. Oh là là. Pff. Oh là. Alors là. Alors là, j'ai tout. J'ai tout perdu. C'est génial. Attends, normalement. Ouais. Hop. Voilà. Et en plus, je vais avoir le niveau bonus. Qui sert à rien. Mais ça fait toujours plaisir. Putain, avant, j'étais bon à ce mini-jeu. Et bah là, je le suis plus. Ok, ça va être pitoyable. Oh putain, si seulement j'avais un Yoshi là, ça aurait été drôle. Bon, du coup, je ne sais plus où mène ce tuyau. Le jeu me nargue. Le jeu me nargue. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Hop, ça sert à rien. Y a pas un truc dans ce bloc d'abord? Si. Ok, accroche-toi, STP. Voilà. Bon, là, il y a un champi pour sûr. Ah non. ouais. Putain, ça, c'est un truc que je déteste avec... Avec les... Comment? Avec ce Mario-là, c'est que les bouts de plateforme glissent et c'est très chiant. Ouais, si tu veux, hein. Je peux pas rebaisser. Ouais, bonjour. Je peux pas me baisser. Attends. Est-ce que si je fais ça, je me baisse? Oh, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être mon émulateur qui est mal config, mais... Putain, c'est bizarre quand même. Heureusement que cette mécanique-là est pas utilisée pour terminer un niveau parce que là. Par contre, peut-être que dans Mario Gives Up, c'est le cas. Je sais pas. J'ai essayé de rentrer dans le tuyau. Je suis stupide. Putain, mais t'es sérieux là? Ouais, j'ai tendance à crever super rapidement aussi dans Super Mario World. C'est assez triste.
Oh putain, alors là la chatte. Par contre j'aurais dû se spin jump au lieu de faire un jump normal. J'aurais dû amener la carapace avec moi, ça m'aurait fait un petit champi. Un petit champi, ça aurait été sympa. Chuche, il s'est rien passé. Je ne suis pas mort comme un gros con. Ça m'arrive plein de fois en plus ce genre de mort. Parce que je sais pas, je fais pas des sauts droits. C'est triste. Ça avait coup d'œil au monde de Bowser pour ça. Ah, j'aurais bien aimé avoir la cape là, tiens, dis donc. J'aurais rushé le niveau. Rien, rien, putain, va te faire foutre. Enfin, de toute façon, avec la cape, tous les. Le bout de plateforme. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, tous les niveaux sont rushables avec la cape, c'est vraiment. Enfin, quand t'es assez bon au jeu, c'est. Clairement, c'est OP, tu redescends pas sur le sol, quoi. On va pas te faire de commentaires sur ma mort complètement conne. Parce que j'aime les bouts de plateforme dans Super Mario World. Qu'est-ce que ça raconte? Rien à foutre. Et puis aussi, vu qu'on parlait de ça tout à l'heure, j'ai vraiment un gros problème avec les nouveaux Mario, c'est qu'il y a vraiment zéro créativité, quoi. C'est complètement mort. Là, je veux dire, dans Mario World, on a quand même... bon, je vais prendre l'objet. Ouais, Super Mario World, c'est quand même tout nouveau dans la franchise, quoi. Il y a énormément de niveaux, il y a les sorties secrètes, tout ça, puis bon... Ça a vraiment rien à voir avec les jeux précédents. La physique est hyper bien travaillée. Ah. Allez. Oh le con. Incroyable. Est-ce que je viens vraiment de faire ça? Ah. Ok. Ah, le jeu m'aime pas ce soir. Le jeu m'aime pas. Hop. Presque 50. Presque. Ce serait bien que je puisse taper le 50 avant la fin du stream. Il est super chaud à voir. Enfin, je me souviens que le... Allez. Faut que je me réhabitue au... Ah, je redescends trop. Ah. Je suis plus aussi bon qu'avant avec la cape. Non. Putain! Ah, oh, c'est incroyable ça! En fait, je crois que c'est surtout le putain de frère Koopa là qui m'a fait flipper, du coup j'ai hésité. Putain! Alors là, quand même! Putain! Ah, oh, là, je suis dégoûté! J'ai perdu ma cape pour de la merde! Putain, ça rend triste. Oh yes, Yoshi. Cool. Ouais, j'aurais dû attendre. Par contre, ouais, je vais peut-être pas garder Yoshi. Je sais pas.
Hop. Oh, oh putain. Alors là. Alors là, j'ai bouffé l'ennemi, puis ensuite j'ai sauté dessus. C'est pas mal ça quand même. Alors là. Putain, j'ai jamais vu ça. C'est concept. Allez. Ouf. Putain. Faut que j'arrête de faire le show aussi. Clairement, je veux tout le temps essayer d'aller trop vite sur Super Mario World. C'est pour ça que je suis mort d'ailleurs comme un con avec le frère Koopa. Ah, je maîtrise pas aussi bien que le jeu qu'avant quand même. Je sais pas, je me sens pas aussi à l'aise. Je sais pas pourquoi. Hop. Monte. STP. J'aurais pu monter avec la cape. Allez, 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 allez. N'empêche, rien que là, tu vois que dès Super Mario Bros. Death, il y a quand même un malaise, c'est que là, il y a clairement des idées qui sont repompées dans Mario Bros. Death, genre les murs comme ça qui bougent et qui et au bout d'un moment dans le niveau, ils t'écrasent complètement, donc tu peux pas. C'est une épreuve de vitesse quoi. C'est dans le premier château de Mario Bros. DS. Et puis il y a sûrement d'autres niveaux qui sont comme ça aussi. Ok. Bonjour ma manette. Attends, ça a pas commencé les conneries. C'est un peu mieux comme boss déjà. Même s'il est entièrement cheesable. Voilà. Bon Théo, si tu trouvais l'autre ridicule, ben voilà. Enfin, les premières fois, t'es pas aussi rapide. Il arrive quand même à prendre le temps de faire le tour par le plafond et tout, mais au bout d'un moment, il est complètement cheesable, quoi. Ouais, il y a clairement des références nostalgiques. Après, le problème c'est que c'est trop nostalgique. Enfin, le Super Mario Bros. DS encore ça va, mais genre après, même le Wii était plutôt sympa, mais tu retrouves les mêmes environnements, les mêmes idées de level design à force, bah ça s'épuise quoi. Même si clairement Mario Bros. DS, j'y ai passé un temps fou quoi quand j'étais gosse. C'est un des seuls jeux que j'avais alors. J'avais pas trop le choix non plus. La fameuse époque où j'ai passé genre peut-être 1500 heures sur Pokémon Pokémon Heart of Gold là. Ça va être très gênant avec le Yoshi. Oh quoique, attends, non. En plus j'ai la cape alors. Attends. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Ah, c'est bien de connaître les glitches de Super Mario World quand même. Hop. Ok, là je l'ai fait pour rien. Il y avait une sortie secrète aussi, mais. Alors, il me semble qu'on peut la faire à la cape, mais c'est hyper timé quoi. C'est. Attendez, déjà qu'est-ce qu'il y a dans le bloc. Merde. Non, merci. Je vais la faire des pop histoire de pas tomber dessus. Allez. Ouais non, je veux pas gagner assez de vitesse là. C'est vraiment trop timé. Je l'ai fait une fois mais voilà quoi, c'est.
En plus, tu peux risquer de tomber dans le trou. Oh boy. Ouais. je suis con. Putain, j'avais oublié que on pouvait pas, qu'on n'était pas invincible dans la lave. Alors là. Est-ce que ça se voit que j'ai pas joué depuis très longtemps? Vu que j'avais complètement oublié ça. Bon, allez, on s'en fout, hop. Oh! Oh! Oh oui! Oh! Je vais pouvoir être feignant, c'est génial. Ouais, hop. Ok. En plus, je me suis arrêté en plein milieu. J'avais oublié que c'était une phase de vitesse. Oh putain! Forcément, le bord de merde qui a arrêté mon spin. Fait chier. Quand je disais que j'ai tendance à trop vouloir rusher dans ce jeu, bah voilà. Oui. Ok, bon, bah pas de champignons. Ah merde. Ouais, par contre là je suis baisé. Oh non. Putain. Ok. Alors la question maintenant c'est, c'était quel bloc? Ok. Non mais clairement j'ai trop tendance à vouloir rusher dans Mario World. C'est très chiant. Ok, alors ok, ça c'était pas mal. Oh. Ok, rip. J'aurais essayé. Bah du coup j'aurais pu essayer de passer en haut, bon tant pis. Oh mais non! Mais non, là t'abuses par contre, putain, ça aurait dû marcher. Oh lolo. Non! Oh dommage! Salut Valentin. Non, aujourd'hui c'est pas Mario Gives Up, c'est Super Mario World. Là je fais du Super Mario World pour m'échauffer en quelque sorte de pour Mario Gives Up. Et c'est mal parti. Ouais, non, par contre là, je vais voir s'il n'y a pas un truc à config. Non. Où est-ce que ça pourrait être? Ok, c'est chiant. Euh...
Vive SS9X, dis donc, le meilleur émulateur de la Super Nintendo. Ceci n'est absolument pas ironique, hein. Putain, j'aurais dû rester sur, sur ZSNES, sérieux. Je préfère largement ZSNES, je sais pas pourquoi j'ai pris SS9X. Mario Gives Up, ouais, c'est un hack... Non, là par contre, non. Non, là c'est illégal par contre. Ouais, les niveaux sont plus durs. Putain, c'est chiant, du coup je peux pas faire la nage rapide. Putain. Ah, clairement la nage comme ça c'est pas... C'est pas amusant. Donc ouais, les niveaux sont plus durs, puis il y a des musiques custom. Les niveaux sont entièrement customisés. Putain, c'est au moins la troisième fois que ça m'arrive là. Donc ouais, les musiques sont custom, les niveaux sont custom, c'est... C'est vraiment un hack très complet de Mario World. Ouais, je vais buter le Chuck avant de prendre l'item. On parie combien que je vais pas garder la cape longtemps dans ce playthrough. Bah, en fait, un hack c'est comme c'est un mode en quelque sorte, quoi. C'est sauf que c'est sur une ROM. Oh putain, ça recommence. Waouh. Et puis aussi la particularité c'est que tu peux vraiment, si t'es assez bon, tu peux vraiment changer des caractéristiques du jeu sur la physique, tout ça, tu peux vraiment changer pas mal de choses. Je sais qu'il y en a qui ont fait des trucs de tarés, genre t'en as qui ont réimité les canons de Donkey Kong Country dans Super Mario World, ce qui est quand même vachement... Je sais pas comment ils ont fait. Puis il y a des gens qui ont carrément mis des voix digitalisées. Ça par contre c'est quand même impressionnant. On parlera pas du fait que je me suis fait toucher comme un con. Il y avait un hack que j'avais adoré qui est un excellent exemple du... Bah, du Super Mario World Custom. J'ai pas le nom du hack là en tête. Je sais pas comment le retrouver d'ailleurs. Mais vraiment c'était... Enfin c'est même pas un hack, c'est une série de hacks. Il y en a genre 3. Ouf. Je vais commencer de plus loin. Il y a 3 hacks et vraiment... C'est vraiment ce qu'il y a de plus varié en termes de hack de Super Mario World. J'aimerais bien voir un P. Yes. Hop. Bon, ça va, j'avance quand même plutôt vite, hein. Hop. Alors, qu'est-ce que c'était ce niveau déjà? Oh, ça va être chiant. De l'autoscroll. Enfin, pas vraiment de l'autoscroll, mais voilà quoi, l'idée y est. Bon bah c'est le...
C'est le niveau le plus fun du jeu. Je crois qu'en TAS, il y en a qui ont fait le niveau à la cape. Sans prendre les la plateforme crâne là. Si je dis pas de conneries. Et clairement, c'est impressionnant. Ce qui est vraiment bien avec Super Mario, c'est que le jeu a vraiment été poussé à son maximum. Quoi. On le voit très bien avec par exemple Kaizo Mario World, qui est vraiment pour le coup le hack le plus connu de Super Mario World. Puis il y a encore plus fou que ça, il y a des niveaux automatiques. Il y a les niveaux un peu à la Pit of Pangaea qui sont vraiment des niveaux c'est vraiment la définition du poil de cul quoi, c'est je veux dire, faut vraiment connaître le jeu par cœur. Clairement, tu vas à la safe state toutes les 2 secondes. Et moi, clairement, j'ai pas le niveau pour. Même quasiment aucun joueur n'a le niveau pour. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelait les Pit of Panga. Parce que y avait que Panga quasiment qui arrivait quoi. Les niveaux étaient dédiés à lui. Dans le jeu là, j'en suis à. J'en suis quoi? J'en suis peut-être au premier quart là à peu près. J'ai fait 2 châteaux. Je sais plus combien on a en tout. Il y en a peut-être 6. Logiquement. Et puis comme je compte pas faire les sorties secrètes ni rien. Il y a plein de glitches aussi qui sont très amusants avec Yoshi. Faudrait que je m'en rappelle, tiens. Genre tu peux clairement abuser avec les items. Il me semble même que c'est grâce à Yoshi que tu peux finir le jeu dès le second niveau, je crois. Enfin, finir le jeu en 2 minutes, en gros. Yoshi, c'est vraiment l'arme ultime de l'abuse, quoi. Oh, ça aurait été bien la cape là. Vraiment, j'aurais pas été contre là. C'est vraiment le genre de niveau complètement traçable. Bonjour ma manette. Ok. Ah! Quand on en parle. Par contre, là, pour voler, ça va pas être pratique. Ouh! Vas-y pour le fun. Hop. Même si ça sert complètement à rien. Hop. Ok, 3e château. Oh, Kamek. Non, on peut pas le buter comme ça. Ah. Faut vraiment faire hyper gaffe avec le Kamek de Super Mario World, il est très chiant. Merci. Par contre, si tu pouvais bien monter, s'il te plaît. Putain, je vais pas pouvoir monter forcément. Oh là là, la catastrophe. Allez. Oh putain, j'ai tapé les deux, bien sûr.
putain. Voilà. Incroyable. Putain. Bien sûr, j'ai fait le con avec les pièces. J'ai tout perdu encore une fois. Putain. Enfoiré, voilà pourquoi je déteste Kamek. Oui, c'était des radis géants dans le niveau précédent. Putain, le Kamek de merde, quoi. Oh, et en plus, là, faut que je l'attende, bien sûr. Allez, vas-y. Oh, putain, bien sûr. Allez, voilà. Je serais pas content de pouvoir buter Kamek, là. Ok, bien sûr il va me... Oh putain. Oh super, ça passe à travers la plateforme et... Ok. Génial. Putain, c'est pas possible quand même. Merci, merci Kamek. On remercie Kamek. Ah. Putain. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus détestable dans ce jeu? Je crois que Mako s'est coupé. Non? Parce qu'aussi, j'ai... Mako a une particularité très amusante, c'est qu'il y a des micro-coupures parfois. Mais ça a l'air d'être reparti, donc... Ah. Putain, clairement je suis pas à l'aise avec cette histoire de diagonale là, ça me... Putain. Voilà, putain. Il va réapparaître dans 30 secondes, mais au moins on est tranquille. Ouais, le live a crash, mais là je pense que c'est bon. Je vais regarder. Est-ce qu'il est reparti? Ouais, ça m'a l'air bon là. Pour moi, le stream marche en tout cas. Ok. Par contre, OBS. Ok. Tac. Ah, tiens, faut que j'essaie un truc pour. Ah bah oui, ah c'est fun ça dis donc. Putain. Je vais revérifier quand même parce que c'est... C'est affolant quand même. Est-ce que ce serait pas là-dedans? Ou est-ce que il faut... Il faudrait que je fasse... Est-ce que je peux... Ouais, cool. Mais, par contre, si ça marche une fois sur 1000 pendant le jeu... Ouais.
Ok. Voilà, putain, c'est mieux quand même. Ah. On retrouve les vieux... les vieux... Comment les vieux réflexes. Putain, ma gorge, ouais. Je vais me prendre un truc à boire après, j'ai eu du bol. Oh. J'ai bien cru que j'allais crever. Il y a bien un truc que je voudrais essayer, ce serait de faire du Bloody Platinum en live, tiens. Ça peut être vraiment fun. Platine est ma version préférée de Pokémon, et puis j'avais regardé le let's play de Taker à l'époque, dont j'avais fait un best-of. Et clairement, ouais, rien qu'à le regarder, je m'amusais énormément. C'est pas dit que si je le regardais à nouveau, je m'amuserais, car... car les let's play pour moi maintenant, mais... Ok, le boss. Oh non. Putain, le pire boss. Bon, ça va. Oh, sérieux. Bon, ils étaient pas à 4 km, ça va, ça va. Bonsoir Maxime. Aussitôt, ça sert à rien de m'envoyer des messages sur Discord pendant que je stream, car je vais pas avoir le son de la notif. Bah écoute, c'est le pire boss du jeu. C'est tout. Ça fait même pas une heure qu'on a commencé là. Ouais, on est plus ou moins à la moitié du jeu quoi. Bon, je vais aller me prendre un truc à boire, je reviens. Je vous laisse admirer mon magnifique layout de pause. Exactement, le Z-Event c'est ici. On va faire incroyable du Q2. Et oui, HBS, comme tu peux le voir, puisqu'on avait fait ensemble le test du stream. Oh, si seulement j'avais la cape là. Ah bah. Ok. Ouais, en fait non, elle va servir à rien parce que clairement je vais pas pouvoir faire jusqu'à la fin du niveau en un coup. Là je suis pas aussi bon qu'avant à la cape, donc c'est un peu triste. Sinon ça aurait pu être très drôle. Du coup, ouais, niveau très très lent et très passionnant quand le gruche pas la cape.
Oh! Yes! Voilà, comme ça on va finir le niveau plus rapidement. Bon, vas-y, hop. Comment finir rapidement un niveau chiant? Ok. Ah, bah, putain. Oh, dommage. Oh, putain. Oh, non. Et là, c'est la blague, quand même. Là, c'est la blague. Putain, là, j'ai vraiment pas eu de chance, quoi. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que il s'est remis à voler. On va gruger. Chut, chut. Il se passe rien. Ah putain, j'ai pas assez de marge bien sûr. Hop. Ouais, clairement putain, j'ai vraiment perdu la cape. C'est... Je suis plus comme, comme avant avec. Hop. Bon, en fait, quand t'es avec la cape, tu sautes pas, tu... Tu voles. Et c'est... C'est complètement illimité du moment que t'arrives à rester en l'air. Parce que t'es obligé de faire des droite-gauche incessamment pour rester en l'air. Donc c'est complètement une histoire de skill en fait. Ça rend pas facile au départ de prendre le coup. Mais dès que t'as le truc, tu peux clairement faire des niveaux complets en un coup quoi. Alors là, je vais faire très attention à pas voler dans les pics, ce serait quand même plutôt triste. Je déteste ce jeu. Ok. Ah putain, c'est bien de pouvoir faire des diagonales quand même. C'est quand même beaucoup plus agréable d'un coup. Non, je pouvais pas l'avoir celle-là, va te faire foutre. Ah. Non! Attends, mais non! Putain, c'est la première fois que ça m'arrive, ça! Putain, c'est vraiment le stream du pas de bol, quoi, aujourd'hui. Hein. Ouais, du coup, je vais le ramener plus vers là, histoire qu'il ressorte pas de l'écran. Voilà.
Je me rends compte que je suis vraiment en train de tracer le jeu, quoi. Je sais pas en combien de temps je l'ai fini la première fois, mais... Ouais, donc là, ça fait grosso modo une heure. Une heure et je suis à la moitié, quoi. Et si j'arrêtais de crever comme un con, bien sûr, ça irait mieux. Et ça rend mon défaut dans Mario World. Alors, c'est parti pour le monde le moins fun du jeu. Avec 4 millions de sorties secrètes et des sorties secrètes dans des sorties secrètes. Et je sais plus ce qu'il faut faire pour arriver à la fin de ce monde. Je sais plus s'il faut prendre des sorties secrètes en particulier. Parce que j'ai oublié de préciser aussi, mais les... Attends. Ah. Les niveaux qui sont en rouge sur la world map, c'est des niveaux à sorties secrètes, et les jaunes, c'est les niveaux normaux. Allez. Ah non, je vais pas pouvoir. Putain, bien sûr, fallait qu'il saute en se faisant toucher. C'est vraiment une bonne introduction pour le pire monde du jeu. Putain, genre il l'a pas ouffé. Alors je réessaye pas de choper la vie, bien sûr, hein. C'est hors de question. Ok, j'aurais pas la cape, fait chier. Quoi? Attends, il s'est passé quoi là? Attends. Enfin, je pense savoir ce qui s'est passé, mais... je pense qu'il a dû se dire que je prenais le dégât en même temps de sauter sur le Yoshi. Donc au lieu que je saute du Yoshi, il a dû faire... tu perds ton champignon, je pense. Donc c'est très chiant. Putain. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive, quoi. Du coup, ouais, je pense que je vais stream tous les vendredis. Parce que déjà, ça fait quand même du bien à la fin de la semaine de se détendre. Et puis en semaine, il n'y a pas vraiment le temps de discuter avec les gens, puisque finir à 19h tout ça. Du coup, c'est cool, ça permet de parler un peu et de se détendre. Oh. Et aussi je vais poster les rediffs sur ma chaîne YouTube. Avec 1 million d'heures d'upload, vu que... Déjà ce stream va peut-être durer quoi? Peut-être 2h30. Donc pour upload sur YouTube, ça fait un peu mal. Surtout que je vais pas l'édit, clairement je le poste comme ça. Je le pose comme ça, du coup ça fait qu'il va être encore plus lourd. Enfin, je peux faire de la nage rapide, c'est quand même mieux. What?
Oh, je vais essayer le 50 quand même. Je vais l'essayer. Coque sous l'eau, c'est pas pratique. Allez, allez, allez. Ah. T'es un sadique, Théo. Ah, je vais pas aimer Doki Doki Literature Club. Par contre, clairement, je le fais que si je peux... Que si je peux combattre avec toi, vu que tu connais déjà le... Yes! Vu que tu connais déjà le jeu. Parce que, bon, un visual novel tout seul, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, quoi. Putain, enculé. Hop. Ah, y a un truc que j'adore faire, comme vous pouvez le voir, c'est de perdre le Yoshi pour rien. À part quand je quand il manque de crever, c'est moins fun. Putain, je déteste aussi les bulles. Quand tu les tapes par en dessous, tu... comment? Enfin, c'est un monde particulier. Ben voilà, t'as un tout petit temps de... De latence. Oh putain! Y a un tout petit temps de latence très gênant. Prends le fruit. Merci. J'aurais aimé que tu le prennes pas au bout d'une heure. La semaine d'après, je vais peut-être pas être dispo. Je suis en train de réfléchir. Ouais, la semaine d'après, il y a mes parents qui viennent à l'appart, donc ouais, ça peut être possible. C'est triste. D'ailleurs, tu as pas joué au jeu de quoi à Doki Doki? Si, je l'ai commencé. J'ai fini l'acte 1. J'ai un peu avancé dans le 2, je suis arrivé... je me suis arrêté à un jumpscare. Parce que j'adore les jumpscares. C'était quoi déjà? C'était avec Yuri, mais... C'était très, très flippant. Oh putain, il me faut la cape. Mon visual novel, moi, je clairement, je l'abandonnais. Ouais, je suis passé à autre chose. Quoi? Quoi? Il a changé de direction, ok. Attends, moi que j'étais pas encore dans la phase descendante, ouais. Prompt. Oh! Est-ce qu'il vient de se passer ce que je pense? Et est-ce que ça vient d'arriver? Putain. Il se passe vraiment de ces trucs dans ce stream, c'est... C'est incroyable. Wow. C'est rare parce que j'ai fini le jeu peut-être 5-6 fois et puis j'ai joué à une dizaine de hacks, mais je découvre toujours des trucs. C'est ça qui est bien avec Super World, c'est que le jeu est, est simple, mais en même temps, c'est suffisamment complexe pour que tu puisses toujours... Il y a toujours des trucs à faire, c'est ça qui est marrant. Donc voilà pourquoi j'adore ce monde. je crois qu'il faut que je fasse la sortie secrète de celui-là. Sortie secrète que je connais pas du tout. Je crois qu'à chaque fois je galère en plus pour l'avoir celle-là.
Donc ça va être fun. Oh! Après, le lot de consommation pour le visual novel, c'est que. C'est comment j'ai fait l'info ending, voilà. Après, clairement, j'ai pas envie de passer ma vie sur. À faire un truc comme ça, quoi. Ah, je peux pas poker vraiment les bulles. Je sais plus si c'est un tuyau secret ou quoi, par contre, c'est. C'est un peu chiant. Ah, voilà. Ok, cool. On n'aura pas passé trop de temps. Le suicide de Sayori. Ah. C'était. J'ai eu des frissons. C'était très perturbant quand même. Je veux dire. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais que c'est carrément évident, mais. La manière dont c'est présenté, c'est vrai que ça. Ça fait quelque chose. Le truc, c'est pas un jumpscare, mais. J'ai eu la même réaction qu'un jumpscare en gros quoi, c'est assez choquant. Puis même le jeu en général, sans être, sans avoir des trucs gore ou quoi qui se passe, clairement c'est assez violent graphiquement quoi. Bah justement le jumpscare où je me suis arrêté c'est un bon exemple de ça, il n'y a pas de sang ni rien, il y a... Y a rien de vieux de. Y a rien quoi, mais c'est juste. T'as la tête du perso qui est glitché, t'as un fond noir, t'as le texte qui est, qui est gras de manière pas naturelle, c'est. Ça fait un résultat plutôt violent visuellement quoi. Après bon. Oh ok. Ah, je savais pas que ça faisait ça, tiens. Après clairement Doki Doki Literature Club, je suis vraiment pas fan. C'est pas pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait de l'horreur quoi. Je veux dire, des trucs comme ça fait que de détruire l'ambiance que t'essayes d'installer quoi. Bon, ça avait rien de prendre le P, en plus je serais fait baiser à cause de lui. C'est reparti pour le boss cheesable. Hop. Enculé, je l'ai fait trop tôt. Putain. La boule de billard. De l'horreur pour moi, c'est plus des trucs. Bah, Silent Hill pour moi, c'est un exemple parfait d'horreur. C'est. T'as zéro jumpscare dans. Bah, j'ai joué qu'aux deux pour l'instant. Y'a aucun jumpscare. Le jeu joue entièrement sur son ambiance. T'as rien d'artificiel pour te faire flipper. Et bah, ça rend de l'horreur psychologique pure quoi. C'est. On joue. Par exemple, t'as un escalier à un moment qui est très long. Il me semble qu'il prend au moins 45 secondes à descendre. Et clairement tu flippes parce que tu te dis putain qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin. Et en plus t'as une distance d'affichage très limitée. J'ai failli crever. T'as une distance d'affichage très limitée. Et c'est comme ça qu'on fait de l'horreur. C'est en jouant sur c'est en jouant sur les instincts primitifs. C'est pas... C'est pas en te faisant des jumpscares ou des screamers. C'est un type pity, même s'il y a des jumpscares, c'est aussi un très bon exemple. C'est. Après, pity, je saurais pas trop bien expliquer vu que bah j'y ai pas joué. Mais rien qu'en regardant des vidéos, c'est pesant quoi.
Déjà, bah forcément, t'es dans un couloir, donc t'as un espace très serré. Si tu veux fuir, bah c'est pas possible. Le truc, c'est un simple couloir en L qui reloop avec des éléments qui changent à chaque fois. Donc déjà, la première reloop, tu te sens pas en confiance, tu te dis merde, c'est le même truc. Et puis même... comment? Ils ont opté pour quelque chose de visuellement qui est très très réaliste et clairement ça se conforte bien avec le côté horreur pour le coup. C'est vraiment tu vois bien par exemple t'as une table, tu vois très bien la saleté, tout ça c'est... Je suis un abruti. Ok, à plus. Bah la boule de billard, tu te souviens bien quand le... quand je sais plus qui avait tiré la boule de billard sur une de mes touches. Ah non, 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 c'était pas sur la touche, c'était sur l'écran, putain, c'est vrai. Peut-être que je me concentre un peu sur le jeu aussi. C'est complètement pour ça que je suis mort la dernière fois. Après bon, faut avouer, c'est pas le niveau le plus passionnant, hein, clairement. Est-ce que vous vous amusez en ce moment? Et est-ce que c'est pas amusant de devoir attendre qu'une plateforme bouge tout en crevant en boucle sur le niveau? Je suis pas serein là. Hop, voilà. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de bloc secret dans ce jeu. En tout cas, il me semble. Oh! Ouais, clairement, là, je prends pas de risque. Voilà. Ah, c'est un... Ah oui, c'est vrai, c'est un carambar, ouais. Oui, ouais, une boule de oui, ouais. Une boule de bière, ça aurait carrément tué le PC. J'ai testé un pote IRL à moi qui s'appelle Théo. Parce que, à cause de lui, à chaque fois que je dis oui, ouais, il me le fait remarquer. Et c'est un réflexe. Donc voilà, Théo, t'as de la concurrence IRL. Bon, on passe à quelque chose de plus marrant maintenant. Clairement, le monde d'avant. Ah, ça, j'ai quand même été très très rapide. Et ça, c'est cool. Ok. Ah oui, la concurrence sur me faire chier. Je plaisante, je plaisante. Oula.
C'est bien de se tromper de touche. C'est pas mal ça. Tiens, je me prends un peu de chocolat. Parce que c'est pas que j'ai pas encore bouffé, mais j'ai pas encore bouffé. C'est une bonne occasion de pouvoir remettre ce magnifique... voilà. Hop. Du coup, je suis en train d'hésiter. Parce que je me disais que tout de suite après, j'allais faire du Mario Gives Up. Enfin, après Super Mario World, donc vendredi prochain. Mais ouais, l'idée de Bloody Platinum, ça commence à me trotter en tête. Ça commence à me trotter en tête. À moins que je fasse une semaine sur deux Mario Gives Up et Pokémon Bloody Platinum. Ouais, ça peut être une bonne idée. Alors, le concurrent de Théo, c'est un autre Théo que je connais, IRL. Qui, à chaque fois que je dis oui, ouais, me le fait remarquer. Est-ce que vous entendez le bruit du mangeage très dégueulasse? En vrai, j'en ai aucune idée. Mais mon micro est assez sensible normalement. Oh yes! Putain, pourquoi il a pas sauté avant? Ouf. Alors là, j'ai eu un peu de bol, faut dire. Putain. Ok, je vais pas pouvoir avoir le bloc, tant pis. Hop. Est-ce qu'il y a pas moyen de me faire projeter par le canon? Si. Le 50 là, ça me paraît trop chaud. Oh, j'ai tout raté. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça va au niveau du son? Parce que là, depuis un moment, je parle pas très fort. Oula, il y a eu un problème sur le sprite là. La casquette était décalée, c'était très bizarre. Wow. Non, pas d'ASMR. J'ai pas le micro pour. Le seul ASMR que je peux faire, c'est avec ma respiration, c'est tout. Et c'est même pas volontaire. C'est vraiment drôle ça, parce que pourtant je respire pas fort du tout, quoi. J'ai pas... Putain. J'ai même pas de problème de respiration, enfin bref. Je déteste cet ennemi, en plus comme je suis pas concentré, ben... Carrément, tu peux t'amuser à spin sur sa flamme, mais le mouvement du Lakitu, il est tellement bizarre que... Pff, enfin, du fantôme, là. Parce que c'est même pas un Lakitu. Son mouvement est tellement bizarre que tu peux pas vraiment prédire, quoi. Genre, je sais pas si vous faites gaffe, mais c'est très... Putain, voilà. Là clairement... J'ai flippé à cause du bout d'au-dessus. Donc clairement, la manière dont je me suis fait toucher, s'il avait un mouvement normal, ça aurait pas dû arriver, quoi. C'est
C'était risqué ça. Ouais, peut-être que j'aille un peu plus lentement aussi. Et en particulier avec ce connard. Parce que c'est... que clairement c'est la cause de... Ouh ! Oh ! Que clairement là c'est la cause de toutes mes morts en fait. Hein. C'est parce que je vais trop vite. C'est même pas une question de skill ou quoi, parce que clairement je suis pas trop mauvais à Mario World. Je veux dire, j'ai joué à tellement de hacks. Puis d'ailleurs, comme je le disais l'autre jour pendant le test, ok, faudrait peut-être que je regarde l'écran aussi, ce serait sympa. Ouais, ce que j'avais dit pendant le test du stream là, c'est que j'avais démarré un hack de Super Mario World. Là par contre je sais pas ce qu'il faut faire. Il doit y avoir un P ou un truc comme ça. Ah non je sais. Enfin il n'y en a pas des plus près. Pff. Bon bah vas-y c'est parti pour faire deux. C'est parti pour faire 2 km. Après j'avais commencé à faire mon propre hack. Mais... quel abruti! Je pensais pas qu'il allait prendre cette trajectoire là. Ouais, j'avais mis pas mal de musique custom et tout dans mon hack, c'était plutôt sympa. Mais j'ai jamais j'avais fini un monde, c'est tout. Je l'ai même plus sur mon PC donc je pourrais même pas le continuer si j'avais envie. Ok, c'était obligé ça. Si je voulais pas crever, c'était quasi obligé. Ouais, il y a ces trois là, ça va être plus simple quand même que de... les là où il y a tous les bouts. Allez. Ils vont pas être assez haut. Putain. Ok. Cool. Rentre. On aime les portes dans Super Mario World. Ok. Ah. Alors, c'est reparti pour se planter lamentablement. Oh, oh, mais non! Oh putain, j'avais pas vu qu'il en reste un. Oh, décevant, décevant. Bon bah je pense qu'on est plus parti sur 2h30 que 3h. Ouais franchement là je suis allé plutôt vite. J'aurais peut-être dû mettre un timer, tiens ça aurait été drôle. Ouais franchement je m'attendais à plus de temps. Surtout à cause du monde de la forêt. Il était beaucoup plus long que ça dans mes souvenirs. Enfin bien sûr si tu fais les sorties secrètes il est plus long mais déjà de base c'est un cauchemar ce monde. Hop. Ouais c'est pas dans le but de speedrun hein, que j'aurais mis le chronomètre mais ça, ça aurait été juste amusant de voir... Combien de temps j'aurais pris.
façon, speedrun, moi, ça m'intéresse pas trop. Il y a une époque où j'avais un peu speedrun Fury. Le problème, c'est que j'ai perdu... c'est que j'ai perdu mon skill à ce jeu et que... Parce que j'ai pas joué depuis très longtemps. Ouf. Désolé. C'est parti pour finir ma tablette. Alias ma seule tablette de la semaine. Non! Non! Il a interprété ça comme une diagonale. Putain! Ok. Pas rentrer dedans. Oh putain, c'est vrai qu'avec lui on peut voler. Ah bah c'est parti. Ouais, le j'avais pas précisé ça, les Koopas dans ce jeu, quand tu les fais manger à Yoshi, ils ont une propriété différente. Le rouge te permet de cracher 3 flammes. Le vert ne fait rien. Le jaune, quand tu touches le sol, ça fait un tremblement, ce qui tue tous les ennemis qui sont au sol. Et le bleu, ça te permet de voler. Et il y en a encore un. C'est une carapace qui clignote. Oh non, je m'en doutais, putain. Il y a la carapace qui clignote, du coup. Je sais plus ce qu'elle faisait. Je crois que tu voles aussi avec. Mais elle est tellement rare que... À vrai dire, on en a vu qu'une seule. Et je lui ai même pas laissé le temps de... Bah, de clignoter, en fait. Oh, 40, pas mal. Limite 40 et 30, c'est plus dur à choper que le 50. Je crois que j'ai eu moins de 30 que de 50 dans ma vie. Ah, c'est drôle ça, fils de pute. Bon ben, on va devoir trouver la sortie secrète. Putain. Je sais pas, pour moi c'était ce tuyau là. Je sais pas. Enfin, c'est un tuyau là, c'est à dire qu'il y a... Que la sortie était avant normalement. Donc je vais regarder attentivement. Hop, 2 plumes, cool. En plus, là, si besoin, je peux me... Je peux clairement me tuer, il n'y a aucun problème, puisque je peux faire un start select. Comme j'ai fait tout à l'heure pour choper ma... Mon nœud de plume comme un enculé. Je me souviens qu'il y avait un truc assez amusant dans Mario Gives Up 2. C'est la world map, en fait, ils ont... Le mec, il a fait carrément la... Une map monde, en fait. Enfin, la... Une map de la Terre. Et ça avait vraiment une bonne gueule en plus. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais la montrer juste après. Ah, c'est celui-là, non? Non, bah ça doit être le bleu alors, on peut rentrer, mais... Je sais pas, je suis en train de me dire peut-être que je l'ai... que j'essaie de rentrer dedans à un mauvais angle, mais mon angle était... correct normalement. Oh, ok, ok, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Le score en étoile, bah c'est celui que tu augmentes en tapant la barre. J'ai mes parents qui m'appellent, c'est génial. Je sais pas si vous l'entendez. Normalement, vous l'entendez, je crois. Bon, bah tant pis, je vais laisser sonner. Eh, c'est pas Charlie, ça, moi.
Ouais, c'est un live chrétien que j'ai là. J'espère que vous appréciez le son de la sonnerie. Quoi qu'il doit être atténué par le son du jeu. Oh, c'est pas mal ça, tiens. Du coup, ouais, j'étais en train de dire le... Le score en étoile, c'est celui que t'augmentes en tapant la barre. Et quand t'arrives à 99, tu... Enfin, à 100 plutôt. T'as un bonus game qui te permet de gagner des vies. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure où t'as 9 carrés qui bougent et tu dois aligner les mêmes motifs. Oh là, pourquoi j'ai pas spin sur la flamme, dommage. De quoi, non? Ah, pour la sonnerie. Parce que je rappelle, il y a quand même... Non! Pourquoi il s'arrêtait de spin? Oh, l'enculé! Ok. Bah, c'est cool si vous l'entendez pas, parce que là, ma mère me rappelle. Je vais peut-être lui dire que je suis pas dispo. J'ai pas assez appuyé à droite. On est dans un live propre, hein. Pas d'euros. Comme j'ai dit, c'est un live chrétien. Hop. Putain, alors avec le petit là, s'il m'avait baisé, mais... Oh yes. Je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Ils sont dans New Super Mario Bros 2 d'ailleurs, mais... Pff, ils sont encore plus simples dans New Super Mario Bros 2 que là. Enfin, je dis plus simple, mais il y a des bonnes chances de crever dans celui-là. Alors, bon, on commence à arriver à la fin du jeu. Le niveau d'après, si je me trompe pas. Ou dans deux niveaux, ça va pas être amusant. Comment dire? Ouais, c'est juste pas amusant en fait. Préparez-vous. C'est pas un Kamek, mais il peut me spawn sur la gueule et me tuer. Oh, j'ai pas assez de... Ok. J'aurais dû faire sur la taupe, du coup. La lave qui est marron aussi, hein. Bah là, comme je disais, j'ai presque fini. J'ai pas envie de donner trop de détails pour le suspense. Mais je suis pas loin. Comme je disais, je suis plutôt parti pour du 2h30 là, à peu près. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs cool à débloquer plutôt que d'aller dans le tuyau? Ouais. Putain, j'ai envie de rejouer à Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais... J'ai pas ma Wii U avec moi et puis ma Wii U,
Non, n'en parlons pas, elle est... J'ai un faux contact dans mon gamepad. Oh. Oh. Bon, de toute façon, j'ai pas vraiment besoin de vie, là. Hop. Petit bonus game. Bon, ça va, si le stream prend pas 3 heures, au moins je pourrais manger un peu plus tôt que prévu. Quoique, je vais peut-être m'arrêter au chocolat. Le bon chocolat Galak chocolat blanc. De toute façon, j'ai même pas faim, alors... Merde, je l'ai pris trop large. Bon, pas grave. Quand je dis que je veux trop me dépêcher dans ce jeu, bah... Encore la preuve. Abruti. Abruti. J'ai hésité. Bon. Un peu de sérieux. D'ailleurs, j'en ai pas parlé alors que je le fais tout le temps. Le spin jump, donc Donc le spin jump, c'est un peu ce qui fait la particularité de Super Mario World. Et c'est vraiment une super mécanique. Ça permet de rebondir sur les trucs piquants, sur les ennemis qui sont pas censés sur lesquels on n'est pas censé pouvoir sauter. Et clairement, ça change le jeu, hein. C'est... Bah, surtout dans les hacks en particulier, il y a plein de hacks qui utilisent cette mécanique. Et vraiment, c'est ce qui fait un peu Super Mario World en fait. C'est vraiment le gros point positif qu'on retrouve pas dans d'autres Mario, si je dis pas de conneries. C'est vraiment le... Ouais. Hop. Je suis en train de me demander si je vais pas faire du Super Bros. Death en stream aussi. Ça peut être sympa. J'y jouais tellement de fois. Bon, après, c'est sûr que je serais pas autant à l'aise que sur la console normale. Mais bon, c'est pas le jeu le plus dur du monde, hein. On va pas se le cacher. Putain, j'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru que le bloc de pierre il avait passé en dessous de l'autre. Ça aurait été très dérangeant. Le karma vient de me tomber sur la gueule. Ouais, tu peux rebondir sur les petites flammes. C'est... C'est comme je disais, le spin jump, franchement, c'est... C'est la vie. Bien sûr, tu peux pas avec un saut normal, hein. Ok, non. Ok, là, c'est bon. Hop. On va pas refaire la même connerie.
Comme je disais, on prend son temps. Ce que je fais absolument pas dans ce jeu. Oh yes! Encore le boss fun. Mais bon, cette fois il est encore plus simple. Quoi? Ah non non, attends, il me semble qu'il est plus dur. Il me semble qu'il y a un twist. Peut-être. Par contre là j'ai pas compris comment je me suis fait toucher clairement. C'était vraiment à la frame le truc quoi. Allez, yes. Je sais plus où on est sur la world map là par contre. Si on est au Suken Ghost Ship ou pas après. Cette animation est toujours aussi stupide. Je sais pas ce qu'il y avait dans la tête le mec qui a fait ça. Ah là, le Sunken Ghost Ship. Le niveau le plus fun du jeu. Bienvenue à Funland. C'est pas pire que la maison des pièges de Dark Souls 1, mais on n'est pas loin. Ah non, comment ça s'appelle des... Comment on l'appelle déjà ce niveau dans la commu, je sais même plus. La maison du fun, la maison du piège. Il y a un autre nom. Tiens, j'irai chercher tout en allant chercher la world map de Mario Gives Up 2. C'était beau. C'était putain de beau. Ça je vais le revoir je vais le revoir dans la rediff parce que putain. Heureusement qu'on a un Yoshi parce que j'ai pas envie de m'emmerder dans ce niveau. Putain, le souvenir était beaucoup plus longue la section des bouts là. Et aussi c'est la seule maison hantée dans laquelle on peut avoir un Yoshi. Parce que c'est un niveau normal mais avec le background et la musique de la maison hantée quoi. Enfin, y a pas le truc de la porte qui t'oblige à partir de ton Yoshi. Parce que c'est pas juste ce background à la musique. Maintenant que j'y repense, dans le fonctionnement de Mario World, t'as des ennemis qui fonctionnent pas dans certains environnements. Et les bouts, enfin certains types de bouts, genre sans cercle et tout, ils marchent que dans les maisons hantées. Donc c'est une maison hantée mais sans la porte qui te... La petite animation au début de la porte qui te fait quitter le Yoshi. Enculé. Allez, allez. Yes. Je sais pas s'il y a un fond ici. On va faire gaffe. J'étais à deux points de crever là. Oh yes. Pas mal le coup de la langue. Je vais me reprendre à boire. Entendez ce doux bruit. Enfin, d'abord ça. Voilà. Donc voilà, t'as ta réponse à la question, Valentin. Je vais juste éteindre le son du jeu pour que vous entendiez ce doux bruit. Voilà. Je suis sûr on n'entend rien, mais c'est pas grave.
Du coup, la map de Mario Gives Up. J'avais dit quoi d'autre aussi, je sais même plus, tiens. C'est pas mal ça. J'aime bien ma mémoire. Où est-ce qu'elle est ? Là. Par contre, je veux pas l'avoir dans une qualité folle. Hop. Le bruit, bah c'était l'ASMR de ma bouteille de coca. Hop, voilà. Donc c'est à ça qui ressemble. Franchement, faut avouer, c'est quand même hyper bien foutu. Encore là, c'est pas l'original parce qu'il me semble qu'elle est redessinée. Mais ouais, clairement, c'est vraiment top, quoi. Déjà, modifier la world map de Super Mario World, il me semble que c'est pas super facile. Donc franchement, chapeau au mec, quoi. Chapeau au mec. RIP, les gens veulent pas voir du Super Mario World. C'est un truc que j'aime tellement pas avec Twitter, c'est que tu peux faire un sondage et demander un truc, mais les gens s'en foutent complètement. Genre, j'avais demandé s'il y avait des gens qui seraient intéressés par... par le fait que... Oh, on peut les bouffer. J'avais demandé du coup s'il y avait des gens qui seraient intéressés si je faisais des streams. Je crois que j'avais au moins une dizaine de personnes qui avaient dit oui. Et là, bah... Pff. Oh putain. De toute façon, là, on est déjà... On est déjà 3, donc c'est déjà pas mal. Je veux dire, tant qu'on est... tant qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui regarde... moi, ça me va, on est tranquille. On discute, c'est sympa. De toute façon... Oh, ça l'a refait. Donc... Ah ouais... Putain, c'est fou, ça m'était jamais arrivé avant ce truc là quand même. C'est assez intéressant. Merde. Non. J'ai tellement l'habitude du spin que... Ah, ok. Viens par là. Putain, la... Ah, ce jeu glisse, bordel. Bon bah, de toute façon, vu que je suis obligé d'abandonner Yoshi, je sais pas pourquoi je me fais chier. Encore ce bonus game que je vais foirer. Ah. Putain. Putain. Le jeu qui m'encule, quoi. Oh non, putain, pas TikTok. C'est pas drôle. Oh, c'est pas drôle TikTok, putain, c'est... Même les ironiques TikTok, c'est la mort de l'humour, quoi. Le mec, il se croit super drôle alors que c'est clairement de la merde. En plus, on est obligé d'avoir un compte, non, pour regarder les TikTok.
Bon, à part des compil cringe sur YouTube, mais... De toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui peut me faire apprécier de regarder TikTok, c'est mon YouTuber préféré, qui a fait 3 vidéos sur TikTok. Parce que, justement, il sait bien les choisir parmi les 1 million de pas drôles. Il arrive à trouver celle qui est drôle. C'est vrai, franchement, TikTok... Je sais pas ce qu'il y a de plus cringe sur ce... Sur ce réseau, entre les gens qui sont juste mainstream et les gens qui croient être ironiques, mais ils sont en fait ultra cringe. Mais si vous voulez, je mets les vidéos de Pyros Nicole sur TikTok pendant le stream. Hein. En plus, je pourrais le faire, je peux genre mettre une vidéo qui tourne à la place du Superman World Playthrough qui était là vraiment pour faire du remplissage. Je peux mettre une vidéo de Pyros Nicole. Hein. Par contre, le temps que j'ai téléchargé et tout, en plus, ça me bouffait la co, donc pour le stream, ça va pas être bon. Ah bah, ok. Donc j'allais dire qu'il y a une carapace multicolore dont je parlais tout à l'heure. Et ouais, elles sont à tête chercheuse aussi. Mais il faut qu'il y ait un Koopa qui rentre dedans pour les activer. C'est pas vraiment... Même par les hackers, c'est pas vraiment utilisé d'ailleurs. Je me souviens pas de l'avoir vu une seule fois dans un hack. Oh, j'ai pas Yoshi. Triste. Quoique cette section-là est plutôt fun. Propre. Bon ben... Il est 22h14. On est le 16 novembre et j'ai officiellement fini ma tablette de chocolat. Est-ce que c'est pas triste? Petscope 2. Il avait dit que ça lui prendrait beaucoup de temps à faire, mais qu'il était en train de la faire actuellement. Mais ça fait déjà un petit moment qu'il a... Ça fait déjà un petit moment qu'il a dit ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir une vidéo de super qualité, quoi. Déjà, sa première vidéo sur Petscope a été exceptionnelle. C'est vraiment la meilleure vidéo de sa chaîne. Bon, après, là, ce qui va manquer, c'est qu'il n'aura pas besoin d'expliquer le... Le jeu ni ni ce que ça lui fait ressentir parce qu'il l'a déjà fait. Là clairement ça va être qu'une vidéo théorie quoi. Un théorie puis explication de la symbolique tout ça quoi. Un truc qui est vraiment dommage avec Pyros Nicole c'est que c'est que clairement il a un niveau de taré en editing. Le problème c'est que il... forcément pour être rémunéré, enfin vivre de YouTube, il est obligé de faire 2 à 3 vidéos par semaine. Et c'est vraiment hyper dommage parce que bah, quand on peut voir la vidéo Petscope, ça, même ses reviews de jeu, elles sont exceptionnelles. Il a dit il y a pas longtemps
Enfin, il a ouvert. Je crois qu'il a ouvert un Patreon ou un truc comme ça. Il avait dit que ça lui permettrait de faire plus de vidéos. Enfin, pour le citer, il avait dit pour 5 Spider-Man Homecoming, vous aurez un Spider-Man 3, quoi. Et pour l'instant, bah, c'est pas le cas, donc c'est un peu triste. Mais ça fait chier que le système économique de YouTube, parce que clairement, je veux que ce mec, il puisse faire que des vidéos de qualité travaillée, quoi. Elles sont géniales, ces vidéos, quoi, elles sont bossées. Enfin, même les normales, elles sont géniales, mais... Non, en plus, il est obligé de faire des vidéos sérieuses pour attirer les gens, ce qui est un peu dommage. En vrai, je te conseille de regarder tout le reste et de regarder... Bah de t'abonner parce que franchement... Ça permet vraiment d'être à jour sur ce qui se passe sur internet. C'est vraiment cool. Voilà, je vais aller trop vite. Et Petscope 2, en gros, c'est parce qu'il a fait une première vidéo pour expliquer... Petscope par aussi Nicole et du coup ben on l'appelle juste Petscope 2 la prochaine quoi. Ça a rien à voir avec le Petscope de base. Là par contre je sais plus ce qu'il faut faire. Ce serait bien si je pouvais choper la pièce. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure en fait je tourne en rond dans le truc sans réfléchir. Mais putain. Ok. C'est bien parce que je vais pas entendre quand le switch va s'éteindre. Du coup je vais crever. Ok c'est bon. Il y a un avertisseur sonore en fait. Donc j'ai fait la seconde porte et la dernière. Il me semble que c'était pas ça la sortie secrète. Enfin la sortie tout court. Je vais pas regarder combien il y a de portes. Ok. Ok, cool. Les maisons fantômes, c'est toujours un bordel pour trouver la sortie. Faut être ingénieux. Oula. Merde, je crois que ma co a encore coupé. Je vais vérifier ça. En attendant, est-ce que la co a coupé les gens? Ouais, voilà, elle a coupé. Ok, normalement là, c'est censé être revenu. En plus, comme il y a un décalage de 30 secondes, je vais pas le savoir avant 30 secondes si le stream remarche. J'aime beaucoup ces plateformes aussi, là. À timer. Bah, clairement, les hackers, ils s'amusent hyper bien avec ça. En même temps, il y a de quoi faire, j'ai envie de dire. Je vais quand même demander dans le chat si c'est revenu. Ah putain, ça m'a déco. Fait chier.
Ok. J'aime ma cause, c'est très pratique. Notamment, j'ai rejoué à Overwatch il y a pas longtemps et bah les micro-coupures ça fait chier. Hop. C'est là que j'aime bien le décalage entre le stream et le chat. C'est que du coup, bah, je vous demande 1 million de fois si c'est revenu. Hop. Eh, quand j'ai dit 2h30, on est pas mal là. En sachant que j'ai commencé vers 15 à peu près. Non, je veux pas m'amuser avec lui, je vais juste crever comme un con. J'abandonne tout, j'abandonne YouTube, j'abandonne la scolarité. Je fais plus rien. Ah, dommage. Oh, t'es sérieux? Merde. Ah bah, je suis en petit, forcément, je peux pas. Putain, mais je suis un abruti, moi. Oh! Ah, ah, j'ai pas eu le temps de sauter du Yoshi, fait chier. Putain, c'est perturbant comme ça, les plateformes qui reviennent pas. Ok. J'ai flippé un peu. Putain, comment on atteint cette clé? C'est assez particulier, tiens. Ok, avant-dernier niveau. Qu'est-ce que c'était déjà? Ok, ça doit aller. Ah, quoique, non, je crois qu'il y a un Kamek. Je crois qu'il y a un Kamek. Putain. Pourquoi je reste à l'avant de la plateforme? Mais non! Putain! Je vais éviter de finir ma bouteille de coca ce soir quand même, sinon j'ai rien pour la semaine. Voilà. Qu'il y a ici. Ah ok, d'accord. Putain. Ah, oh, je déteste la glissade dans ce jeu.
Putain, sur les bouts de plateforme, ce Mario, c'est une savonnette, quoi. Hop. Ok. Attends, en fait, je crois que... Ah si, mon micro marche. Ok, c'était bizarre. Pourquoi j'hésitais? Putain, c'est même pas dur en plus comme niveau, quoi. J'espère que ça vous amuse de revoir 10 000 fois le même début de niveau, hein. D'un niveau facile. Enfin, tous les niveaux de ce jeu sont faciles. Putain, alors là, faut que j'arrête de faire le con. Ok, c'est parti. Oh putain, quand je parlais de Kamek tout à l'heure. En plus, pourquoi? Ok, je comprends pourquoi il est là maintenant. Wow, il est un peu épileptique, Kamek. J'espère qu'il va pas nous faire une petite crise. Putain, bon bah, je peux passer au moins. Non, mais non, c'est pas vrai. Putain, eh, faut pas que je crève là. En plus, y'a pas eu de checkpoint. Il faut que j'attende que Kamek revienne. Oh putain, c'est limité en temps en plus. Enfin, je veux dire, tous les niveaux, mais là... Allez, 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 allez. Oh putain, je sais même pas si je peux le... Putain, la carapace, vaut mieux que j'essaye pas. Allez, 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 allez. Je crois qu'il n'y a pas de boss dans ce niveau, donc ça va. Putain, j'ai failli faire une connerie. Ok. Oh putain, il y a des boules de feu. Putain, en plus, faut que le boss fasse le con. Ok, c'est bon. Ça a failli devenir chaud quand même. Sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr. Ok. Ok, donc on attaque le dernier niveau enfin.
Ah non, putain, c'est même pas le dernier niveau. Si, si, c'est le dernier niveau. Je sais pas, j'avais vu Front Door, donc je me suis dit merde. Bon, là, on peut aller dans n'importe lequel. Ça mènera à une section différente. Et j'ai pas pris la plus fun. Putain. Il y en avait une qui était hyper facile, mais je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'était pas celui-là. Peu importe. Putain, mais là, le bloc, il passe à travers la pierre. Elle est où, la logique? Ouf. Ah, il y avait un deuxième. Ok. Oh boy. Oh boy. J'espère que je vais avoir un champi quand même, parce que là enfin, je sais que Bowser il en donne, mais bon, je vais pas me débrouiller avec ça quoi. Ah. Je sais pas si je peux toucher les pics par en dessous, je préfère éviter. Putain. Ok. Bon. Oh putain, c'est pas encore fini. Je préfère... Putain. Ah, je déteste ces ennemis, bordel. Tu sais pas quand ils vont faire des grands sauts. Ils font des petits puits d'un coup. Allez hop, on va faire chier. Bon, ça va, c'est easy. J'ai failli faire une connerie. Là, j'en ai fait une. Ok. Donc en fait, très mauvaise idée parce que j'ai aucun des switches. Donc j'ai pas les blocs qu'il faut. Ok, ça va, c'est chill. Ah. Ok. Oh, ça va. Oh, c'est cool. Bon, bah 2 et 5, hein, écoute. Fils de pute. Vas-y. Hop. Voilà, toi tu meurs. Putain. Ok, pas de champi, non. Ce serait sympa. Pour le boss final, je sais pas. Bon bah c'est parti. Et vous voulez savoir un truc fun? Dans Case of Mario World, Bowser est invisible. Je vous laisse deviner la galère. Je vous laisse deviner la galère maintenant.
Putain, pourquoi il a pas sauté? Mais non! Non, 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 non. Et putain, dis-moi que... Que je reprends pas dès le début. Oh! Non! Oh, c'est illégal! Putain, pourquoi il a pas sauté? Putain, je suis peut-être allé trop tôt là. Ouais. Ah, fais chier. Bon, faut bien que je le finisse ce maudit jeu quand même. Putain, la porte! Ah, les portes dans Mario World, c'est quelque chose aussi. Hein. Allez! Ouais. C'est reparti pour la section des ninjas pas fun. En plus, il me semble que leur hitbox a été toute craquée en plus. Ok, c'est reparti. Comment je peux crever sur ce Bowser là, il est facile en plus. Ok. Attention mode 7. Wouh. On sait utiliser le mode 7, incroyable. Ok, c'est pas par un entier si tu veux. Ah, ça, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, un boss très compliqué. Franchement, là, c'est pire que comment il s'appelle, que Gwyn dans Dark Souls. Là, franchement, même Gaël ou War Chainsmog, même ils font pas le poids. Hein. Enfin, je me moque, mais je suis quand même mort comme un enculé. Hein. Oula. Ok. Putain, qu'est-ce que c'est dur quand même, hein. Faudrait que je l'essaye dans Kaizo Mario World quand même, ça doit être amusant. Enfin, amusant. Entre guillemets. Tu fais chier Bowser. Putain. Non. Fallait que je spin à ce moment-là en plus quoi. Ouf.
Ok, fou. Waouh, j'ai fini Super Mario World pour au moins la 7ème fois. Incroyable. Et j'ai même pas mis 2 heures en plus. Enfin, qu'est-ce que je raconte, 2 heures et demie. J'ai pas mis 2 heures et demie. Incroyable. Waouh, un feu d'artifice. Est-ce que c'est pas beau? Tu utilises la technique de Ryoko face au mec invisible. Tu veux dire Sanagayama? Attends, est-ce que c'était Sanagayama? Non? Si? Non, je sais plus, tiens. Qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Apprécier ce magnifique crédit de fin. Non, c'est pas vrai. C'est le bleu alors là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, exact, exact. Ouais. Bon ben voilà. La semaine prochaine donc je fais du Mario Gives Up. Donc vendredi 20h aussi. La semaine d'après. Je vais peut-être faire du Bloody Platinum du coup. Non, la semaine d'après, ouais, la semaine d'après je suis pas dispo, c'est vrai. Donc la semaine qui viendra après. Waouh, incroyable. On a même pas vu de bébé Yoshi, tiens, pendant le pendant le playthrough. Bon là c'est la galerie des ennemis. Franchement la fin c'est le c'est la fin que tu regardes plus à force quoi. La fin toute pourrie. C'est bien parce que je tombe en rate de batterie pile à la fin. Enfin mon PC portable à 700 boules aura servi à quelque chose. à afficher le chat. Ouais, c'est exactement ça, c'est comme Super Mario 64. Quoique Super Mario 64, je reste quand même parce que la musique elle est tellement bien. Et puis Real Myope quoi, je sais pas si tu regardais Speed Game avant, mais quand il la chantait avec Cœur de Vandale, c'était quelque chose. Tiens, je vais le mettre juste après. Thank you.
Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez pour jouer à Super Mario World? Même toi, Théo, avec ton PC en carton, tu peux le faire tourner. Waouh, incroyable. Bon, du coup, je vais chercher la vidéo là, comme je disais. Ah, tiens, y a un tas de Spa en 64DS qui est sorti. Avec la particularité qu'il n'y a pas le droit au saut, c'est pas mal ça. Alors. Ok, je l'ai là. Hop. On va enchaîner à partir d'ici. On va pas se retrouver dans les studios. En fait, on n'a pas envie. Mais allez, on va aller voir si. On fait plein de gros bisous. Vous êtes pas prêts pour le cringe. C'est cringe, mais faut ce qu'il faut. Faut dire. Faut dire ce qu'il faut dire. C'est. Y'a la nostalgie quand même. Y'a la nostalgie de quand il y avait encore Speed Game. Putain, pourquoi ils ont arrêté cette émission? Elle était tellement bien. Et puis en termes de speedrun en France, c'était la référence quoi. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est cringe! Tu as su imposer partout la fraternité. Oh mon dieu! Putain, qu'est-ce que c'était bien Speed Game! Du coup, Théo, vu que tu disais que la fin de Super Mario 64, on la regardait plus à force. Là. Voilà, c'était le cringe incarné. Genre, tu l'as vu à Pixelphonia? Ah, oh, c'était plus que bien Speed Game, c'était le top du top. Non, non, je chante pas ça. C'est cringe, mais en même temps, ils sont tellement irrésistibles. Cœur de Vandal et Rail Myop, t'es obligé d'adorer quoi.
Putain, c'est sympa. Est-ce qu'ils l'ont posté sur YouTube? Ok, j'ai trouvé un medley, ça doit être ça. Bon, du coup, bah, je vais arrêter le live ici. C'était... Ah putain, j'ai cru que le live avait crash parce que j'ai ouvert mon Discord et que j'étais sur les messages de Théo. Putain, j'étais en train de flipper. Oh, mais la flemme d'aller sur Facebook. Donc du coup, bah, c'était sympa. Bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour du Mario Gives Up. Donc voilà, à plus.